Alors, on repart avec un autre 15 minutes et trois autres personnes. J'ai aussi peur que le 15 minutes soit un défi quand je vois Yves et Nathalie. Mélanie, on dirait qu'il fait plus confiance, mais les deux autres. Donc, on va y aller dans ça. On va commencer par Yves. Donc, Yves, tu as compris le principe, 4 minutes, puis il va peut-être avoir des questions. Ah, j'ai même parti. Ça marche bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça compte pas d'attendre, ça. Non, c'est non. Ça. Là, il est ouvert. Arrête. Bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon. Alors, j'ai même mon petit timer qui me dit que le 4 minutes. Alors, je vais vous parler de l'importance de l'indexation dans le régime fiscal, l'indexation à l'inflation, puis qu'est-ce qui s'est passé au fil depuis 1972. Pour les gens, c'était pas toujours clair l'importance d'indexation à l'inflation du régime fiscal. Et je vais vous donner une citation du ministre des Finances en 1973, qui était John Turner, qui dit qu'il me soit permis d'abord d'expliquer plus clairement comment surgit le problème. Notre régime fiscal est fondé sur un barème d'imposition progressif. Cela signifie qu'à mesure que son revenu augmente, une personne paie un pourcentage d'impôt plus élevé sur son revenu. Mais l'augmentation du revenu d'une personne peut être réelle ou simplement résulter de l'inflation. En d'autres termes, c'est pas moi qui le dis là, si un homme obtient une augmentation de salaire de 5 %. Il n'y avait pas de non-binaire dans ce temps-là et il n'y avait pas de femme, semble-t-il. Et que le coût de la vie est aussi augmenté de 5 %, il détient le même pouvoir d'achat réel qu'auparavant et rien de plus. Le régime d'impôt progressif peut toutefois le placer dans une situation pire qu'auparavant parce que s'il se situe maintenant à un palier d'imposition plus élevé, ce que je veux faire, c'est d'éliminer de notre régime fiscal cette injustice involontaire. L'année, en 1977, c'est Jean Chrétien qui était ministre des Finances qui dit, notamment, « Je ne puis que regretter que l'on oublie trop souvent l'importance d'indexation. » Dans le document budgétaire, on disait, « Il élimine donc les majorations d'impôts que subirait autrement le contribuable par le double jeu de l'inflation et la progressivité du régime fiscal. » Une autre façon de voir ça, parce que quand je l'expliquais, moi, Jean, il y avait des difficultés à comprendre, c'est quelqu'un qui viendrait te voir et qui dirait « Moi, la hausse du prix de l'essence, ça ne me dérange pas parce que j'en mets toujours pour 10 $ Vous diriez « C'est un imbécile. » OK? Parce que vous auriez compris que sa tank d'essence serait de plus en plus vide au mesure que l'essence augmenterait. Bien, le pouvoir d'achat du contribuable remplacer ça, c'est la même logique. C'est la façon que j'avais trouvé de l'expliquer. Or, en 1985, le ministre Michael Wilson, pour régler le déficit, a mis fin à l'indexation sur le premier 3 %. Donc, seulement la portion qui excédait 3 % au niveau de l'inflation bénéficiait d'une inflation. Puis, je peux vous dire que de 86 à 92, ça dépassait le 3 %. Donc, il négrugeait chaque année. Pour vous montrer l'impact monétaire, c'était 573 millions juste pour l'année 1. OK? Puis, c'est cumulatif. L'année 2, tu es déjà rendu à 1 200 millions là, parce que tu as l'effet de l'année 1 par rapport à l'année 0. Plus l'année 2. L'année 3, tu es rendu à 2 milliards. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Or, pourtant, le ministre des Finances, Paul Martin, dans les années 95, 96, 97, alors que l'indexation n'était toujours pas revenue, il disait, il faut noter que dans ce budget, comme dans celui de l'an dernier, n'augmentons pas d'un cent les impôts sur le revenu des particuliers. Ceux qui connaissent mon doigté, ma politesse et ma rectitude habituelle, vous avez compris, je vais fermer ma trappe et je ne vous dirai pas exactement ce que je pense d'un tel commentaire et comment ça puisse ramasser dans un document budgétaire. Or, les seuls qui s'en étaient tirés, finalement, c'était pour la pension de vieillesse, parce que la règle d'indexation sur l'excédent de 3 % devait s'appliquer également à la pension de vieillesse. Les plus vieux se rappelleront de la fameuse clip que vous avez vue à la télévision. C'était Brian Mulroney qui se faisait dire par une petite madame « Tu nous as menti, Charlie Brown ». OK? Mm. Et Brian Mulroney, ça va passer à la télévision partout, avait reculé sur la pension de vieillesse. OK? Mais tout le reste, que ce soit les crédits de TPS, et là, je parle juste d'impôt fédéral, hein, parce que l'impôt provincial dans les autres provinces, c'est un pourcentage d'impôt fédéral, donc les provinces. Ah! Je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Alors, je te donne une 30 secondes. Oui, mais c'est, n'oubliez pas, c'est le micro ne marchait pas tantôt. Donc, on avait publié une étude, Claude Laferrière et moi, Claude qui a également sa maîtrise, on a fait publié une étude en 1997 sur le sujet, qui a été publiée dans les médias à tour de bras. Et il y a Claude Piché, d'ailleurs, qui nous avait consacré une chronique complète qui s'appelait « L'effet Wilson-Martin », où il expliquait ça en détail. Il l'a repris pendant plusieurs années en ligne. Et l'indexation est revenue
en 2000 au fédéral et en 2002 au Québec. Or, c'est juste pour vous montrer que c'est la façon la moins transparente de taxer les gens, hein, parce que c'est une taxe silencieuse, la non-indexation. Donc, c'était juste pour vous raconter cette histoire-là. Et j'espère que ça vous a mis ça clair dans votre tête. On va passer à Nathalie et Mélanie qui vont le faire ensemble sur les véhicules d'épargne. Je ne sais pas si c'est plus risqué ou moins risqué. Mais là, si je comprends bien, il y a juste Diane qui a respecté son temps, c'est ça? est-ce que tu peux venir à ligne de temps, notre ligne de temps, parce que c'est ça le plus important, la ligne de temps. Je ne veux pas vous donner mal au cœur, je n'ai pas vu les autres présentations corpo, il doit y avoir autant de modifications, mais dans l'impôt personnel, l'impôt des particuliers, les épargnes, tout ce qui est en bas, c'est les différents régimes d'épargne qui ont été créés au fil des ans et certains sont restés, d'autres sont disparus, comme le régime d'épargne logement, mais ont réapparu en 2023 sous un autre nom, CELIAP. C'est notre petit nouveau. Il y a le CELI en 2009, le régime d'épargne, le RAP, etc., le régime d'épargne études, ça en fait beaucoup. Donc, Mélanie et moi, on a décidé de plus parler de la réforme des fonds de pension. Moi, j'ai fait ma maîtrise en 91-92. C'est probablement pour ça que je me suis intéressée aux particuliers. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les fiscalistes ne s'intéressent pas aux particuliers, parce que, il me semble, c'est toutes des particuliers. Donc, on va voir avec Mélanie là, un peu plus la réforme des pensions. Mais avant, on va vous passer un petit clip de les années 90, la page suivante, puis le petit clip, s'il te plaît. Imaginez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Tiens, je te connais. Je suis toi, 25 ans plus tard. Dans le sud. On passe tous nos hivers ici. On a gagné la loterie peut-être? Mieux que ça, Liberté 55. Seul représentant de la London Life peut vous offrir Liberté 55. Plus que de l'assurance, c'est un programme financier qui travaille pour vous pour qu'un jour, vous n'ayez plus à le faire. Depuis quand est-ce qu'on se promène en décapotable? Depuis qu'on fait du surf. Du surf? Donc, dans le fond, on a choisi de parler de la réforme des régimes de retraite en 1990. Tu peux passer à la prochaine diapositive. Donc, dans le fond, l'objectif de cette réforme-là était d'inciter les contribuables, les particuliers, à épargner pour leur retraite. Il y avait deux volets, donc il y avait un peu l'équité au niveau fiscal et on est venu également augmenter les plafonds, tant au niveau des régimes à prestations déterminées, à cotisations déterminées, le REER. Donc, on est venu augmenter les sommes qui pouvaient être à l'abri de l'impôt. Donc, on rappelle au REER, on peut mettre jusqu'à 18 %. Au niveau de l'équité fiscale, c'est qu'on est venu mettre des mécanismes en place. Donc, le facteur d'équivalence est apparu pour que quelqu'un qui avait un régime de retraite à prestations déterminées et quelqu'un qui épargnait à travers son REER ait la même équité fiscale. Donc, il y avait à peu près 18 % des sommes qui étaient à l'abri de l'impôt. En fait, ça vient du fameux facteur 9 qui est apparu à ce moment-là. Dans le fond, c'est qu'on voulait refléter, on se disait que quelqu'un qui accumulait une rente de 2 % qui était la rente maximale pour un régime à prestations déterminées, avait, si on accumulait 9 fois 2 %, donc 18 %, on avait les cotisations nécessaires pour financer cette rente-là. Donc, dans le fond, c'est comme ça qu'on est venir gérer l'équité. C'est de là que vient le fameux facteur 9, qui est basé sur des hypothèses de ces temps-là, donc table de mortalité dans le temps, les taux d'intérêt, les taux d'inflation qui datent de la réforme. Donc, j'ai fait un petit exercice étant actuaire également de base. Je ne pouvais pas ne pas faire de calcul. Donc, prochaine diapositive. Donc, je suis allée voir quelques régimes qui sont généreux, donc qui offrent le 2 % au niveau de la prestation de retraite. Et j'ai regardé la valeur qu'on doit avoir accumulée pour être capable de se payer, dans le fond, la rente qui est fournie par le régime de retraite. Et j'ai comparé pour quelqu'un qui aurait fait la même année de participation, donc j'ai mon 30 ans, mon 35 ans, mais enfin mes deux 35 ans, et qui a cotisé à la place 18 % dans son REER pendant ces 35 années-là sur la même base des salaires. Et on voit dans le fond que le fameux facteur 9 n'est peut-être plus équitable aujourd'hui, étant donné les hypothèses, les contextes économiques, les tables de mortalité sous-jacentes, les nouvelles espérances de vie. Donc, c'est là qu'on remarque qu'il y aurait peut-être à se questionner au niveau de l'équité entre les différents régimes de retraite qui existent actuellement.
Qui plus est, si tu changes de page, on parle de l'espérance de vie, bien entendu, qui augmente, qui ferait en sorte de toute l'iniquité, mais aussi la planification personnelle. On veut réduire la dépendance à l'État, mais on veut aussi donc encourager l'épargne. Et pour encourager l'épargne, il faut tenir compte de normes qui ont été mises en place par l'IQPF il y a quelques années. Et une de ces normes-là, c'est justement de ne pas se baser sur l'espérance de vie pour calculer notre épargne-retraite, mais plutôt la probabilité de survie. Et la probabilité de survie, elle est recommandée à 25 %. Donc, on veut pas être 50 % de chance en vie avec plus d'argent pour vivre. On veut être 25 % de chance en vie, mais toujours avec plus d'argent pour vivre. Donc, ça, c'est assez important. L'autre... pour terminer ou conclure un peu sur ce volet-là, avec toute la réflexion, puis on en parle beaucoup, les gens comme Yves, Martin Duprat, qui font beaucoup de fiscalité des particuliers, mais qui font aussi beaucoup de régimes d'épargne, de cette réflexion-là qui s'impose. On en a parlé ce matin, vous en avez presque divulgué nos punch. La réflexion a déjà débuté avec les régimes publics, hein, le report. Mais maintenant, essayer d'expliquer à quelqu'un que c'est avantageux de reporter sa régie des rentes, très difficile à lui faire comprendre cet aspect-là. Très difficile à faire comprendre que la régie des rentes a une valeur, très difficile. Donc, il y a beaucoup d'éducation dans la réforme, tant pour l'équité qu'on a vue, mais pour que les gens comprennent, je vous invite à réfléchir. Là, pour chacun d'entre vous, vous avez des régimes de pension. Ça vaut combien votre régime de pension en salaire, en chiffre? Est-ce que vous le savez? Donc, ça, je pense que ça a été oublié, puis il faudrait que ça soit ramené. Et dernier point, avant que tu puisses nous poser des questions, revoir les insatisfaits fiscaux. On parlait de revenus garantis, retour d'emploi. Question que j'ai beaucoup, c'est ben, comment je fais pour avoir le supplément de revenus garantis? Je vais vider mon fer, etc. Donc, revoir ces incitatifs-là pour éviter le découragement à l'épargne. On voit en ce moment, c'est ça qui arrive, là. Donc, voilà. Bien, merci. Si je peux juste me permettre un point. Là, nous, on a axé sur la réforme de la pension, mais vous avez vu le graphique, on s'est quand même amusé à ressortir tous les types de véhicules qui existent. Puis on avait même fait l'exercice, mais on manquait de temps, de faire quelqu'un, une famille qui avait un enfant qui voulait cotiser au REER, au CELI, ouvrir un R3A, il y avait le CELIAP aussi, puis on essayait de voir le pourcentage d'épargne que ça pouvait représenter sur son revenu net, si on voulait maximiser tous les types de véhicules. Puis on avait, selon les revenus, d'un fois du 60 % du 50 % pour quelqu'un qui veut essayer. Donc, il y a des choix également à faire, surtout les véhicules qui sont présents. Et en plus, il faut penser à la retraite. Donc, ça implique beaucoup. Il y a beaucoup d'informations dispersées. Donc, il faut aider les gens, il faut les éduquer. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait vous amener. Bien, puis quand on regarde tous ces véhicules d'épargne-là, je n'osais pas vous la poser la question, mais vous l'avez tellement ouvert la porte. Est-ce que vous pensez qu'il y en a trop? Ou est-ce qu'ils devraient être mieux coordonnés entre eux? Je pense que c'est plus ça. Ils ne se coordonnent pas. Juste où je mets mon dollar d'épargne? Est-ce que je le mets dans le régime d'épargne études? Est-ce que je le mets dans le RIR? Est-ce que je le mets dans le CELI? Et ce qu'on n'a pas mis ici, c'est tout le volet placement, ce qui est offert comme placement. Donc, ça, donc je pense qu'il y a de l'éducation à faire. Il y a toute une planification. Il faut se pencher à ce niveau-là. Il y a le dépôt aussi, je ne sais pas si tu veux en parler, un beau petit courriel que tu viens nous envoyer, parce qu'on parle beaucoup du FER, puis le minimum FER, premièrement, le RIR, on est obligé de le transférer en FER à 71 ans, donc commencer à retirer trop tôt, les sommes s'épuisent trop vite, etc. Donc, il y a un dépôt de la Chambre des communes, d'un rapport. Il y a une réflexion. Bien, on dit qu'elle allait vous écouter. Ouais. Mais encore là, la suggestion globale, c'est de reporter la conversion du RIR à plus tard. Tu laisses-tu 30 secondes à Yves? Je vais oser quelque chose, même si c'est hyper dangereux. Yves? Oui. Après 40 ans de carrière, une anecdote? Oui, j'en ai une, puis elle rapporte directement avec la maîtrise. Puis ça rapporte avec, tantôt, j'étais content, tu as parlé de Léo Provencher tantôt. Oui. Parce que moi, en 1980, quand j'ai fait application à la maîtrise, j'ai été probablement le dernier accepté. OK? Et j'ai dû passer une entrevue.
Or, je me suis habillé avec mon beau complet, etc. Et je ne suis pas très grand, moi je mesure 5 pieds 6, et je rentre dans le bureau du directeur de la maîtrise, c'était Léo Provencher, et Léo était même plus petit que moi. Alors, il faut le faire. Et il avait un complet bleu marin, pinstripe. J'avais un complet bleu marin, pinstripe. J'avais une chemise blanche, il avait une chemise blanche. J'ai été accepté à la maîtrise. Alors, pour des raisons vestimentaires. Pour des raisons. Il y a dû voir un peu de potentiel en moi. Ah, et mais merci à nos choix de vêtements respectifs. Donc, je voulais compter cette anecdote-là qui est arrivée avec Léo. C'était. Merci, donc, Monsieur Provencher. Merci. Merci bien. Je suis parti. Je veux juste dire. Ouais, merci. Oui, oui, effectivement. Ils sont deux, mais ils n'ont pas 15 minutes, là, parce que je ne veux pas faire de jaloux.